Yael, Yael, ça va? Excusez-moi, maintenant que tout le monde est là, je vous demande le silence pour vous dire que je suis très heureux de vous avoir chez moi ce soir et je vous dire joyeux Noël! Ouais, joyeux Noël! Oui, Loris. Oui, t'inquiète pas. Attends, faut que je dise ça à Adrien. Comment on va réagir, putain? Ça va? Ouais, écoute, je viens d'avoir Loris au téléphone et ça confirme ce que tu pensais. Je viens d'avoir Loris. C'est bien lui qui a tiré sur le délire. C'est Noël, Christian. Si tu savais comme je suis contente. Oh, je suis tellement contente de fêter Noël, Christian. J'adore Noël. Et je t'aime. C'est vrai que t'as l'air contente. Ah, mais c'est parce que je suis contente, Christian. Mais regarde, j'ai tout. Tout ce qu'il me faut pour être heureux. J'ai un père, un mec. Ma mère qui est plus là, mais c'est pas grave parce que... Je vais la revoir. Vraiment, Christian. Je suis heureuse. Vraiment très heureuse, Christian. Moi aussi, je suis très heureux de t'avoir avec moi, famille. Et je t'aime. Moi aussi, Christian. Bon, on va aller chez Hélène aujourd'hui. Ah bah ouais. Ah, comme hier soir, on va s'éclater. C'est vrai qu'on s'est bien amusé hier soir. Il en faut peu pour être heureux. C'est vrai, tu as raison, mon amour. Il en faut vraiment peu pour être heureux. Et Christian, toi, tu es formidable. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Fanny. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Je pensais vraiment pas à celle, Livia. Bah ouais, moi non plus. Elle doit avoir ses raisons. Mais même, ça se fait pas. Julien, ça se fait pas. Non, mais attends, Sandro. Tu peux la comprendre quand même. Comment tu fais pour comprendre toujours tout, toi? T'es vraiment trop con, hein. Mais non, mais... Tu peux comprendre quand même que... Adrien, il a mis enceinte une autre femme alors qu'ils étaient ensemble. Oui, et alors? Ça se fait pas. Vraiment pas. Et... Livia, c'est une grosse pute. Voilà. Non, mais Sandro, tu peux pas dire ça. Arrête. Tu veux que je arrête? Mais enfin, Julien, allô? Comment tu veux que j'arrête, sachant que on a une meuf qu'on connaît, qu'on pense être notre amie, et qui assassine, qui tue un bébé, même pas encore né, dans un ventre de gonzesse? C'est là que ça, Adrien. C'est pas pareil, ça se comprend. Mais t'es vraiment con, comment ça, ça se comprend? Oh, putain. Sandro, c'est Noël, calme-toi. Ouais, ben moi, j'ai qu'une seule envie. On va aller voir Livia. On va la confronter, ça va? T'as raison, on va y aller. Tout à l'heure. On va y aller. Tout à l'heure.
Promis. Ouais. Bon, mon Adrien, comment ça va toi ce matin? Ça va, hein, écoute, hein, si je retrouve celui qui a fait ça, je lui nique sa mère. Je lui fais l'amour, je lui l'encule. Enfin, voilà quoi, tout quoi, vraiment. Vraiment tout. Comprends-moi, j'aurais fait pareil à ta place. C'est un fils de pute celui qui a fait ça, qui si tu veux. Mais allez, courage, mon Adrien, ça va aller, regarde. Si tu veux. Tu refais un bébé avec Livia. Non, ça va aller, merci. Bah, ça va, dit que je pue. Non, j'ai pas dit ça, mais bon. Bref. Eh ben oui. Hello tout le monde. Ah, bah Nicolas, bah, t'étais où? Eh ben, j'étais où? Oui, d'accord, non, mais où? J'étais chez moi avec Jimmy, il voulait pas venir hier. Enfin, voilà, parce que... Enfin, tu vois, à cause de Chloé. Ouais, bah, Chloé, excuse-moi de te le dire, mais elle a pas l'air très triste. Hein. Je suis désolée de te le dire. Hein. Comment ça? Elle est en couple avec Mathieu. Ah, si Jimmy apprend ça, il va se tuer, putain. Ouais, grave. Mais bon, dis-lui pas tout de suite. Ouais, je vais attendre un peu. Bon, et toi, t'es tout seul? T'es pas avec ta meuf? Non. Elle est partie dans sa famille pour Noël. Ah, d'accord. Mais t'as des nouvelles? Eh oui. T'as bien fait de passer nous voir. Il y a Famille et Christian qui vont passer aussi. Ah, cool. Mais il y a Sandra, puis sûrement Ayami. C'est bon, on était tous là hier. Il manquait plus que toi. Sérieux? Ouais. Ah, il y a Max qui va passer aussi. Ça vous dérange pas? Ah non, non, pas du tout. Bah, c'est cool. Ah, c'est cool, je suis content. Ben ouais, moi aussi, je suis content, c'est cool. Et tu sais que je t'aime, toi. Ah oui. Et je crois que je commence à retomber de plus en plus amoureuse de toi. Ah oui. Et ben pareil pour moi, tu vois. Ah, ça tombe bien, alors. Ça tombe très, très bien. Ah. Bon, on doit aller chez Hélène aujourd'hui, tu te souviens? Comment l'oublier? La fameuse... Hélène. En vrai, parce qu'elle m'a dit que ça allait être parti. Je comprends toujours pas son choix, moi. Je suis comme Fanny. Personne n'a compris au début, vraiment. Mais on s'est tous fait une raison. Elle a trouvé l'amour. Ouais, bah, après, elle était restée quand même 2 ans célibataire, quoi. Ben ouais, c'est ça le problème. Hein. Ah, ça a dû être très compliqué pour elle. Hein. C'est sûr. La pauvre. Ben ouais. La pauvre. Mais t'as une nouvelle, toi? Non, et toi? Ouais, j'en ai eu un peu hier soir pour le réveillon. Elle m'a souhaité un joyeux Noël. Elle a dit de passer le bonjour à tout le monde. Donc, enfin, voilà, quoi. D'accord, ben c'est cool, alors. C'est vraiment cool. Ben ouais, c'est cool. Ah, c'est bon. Ah, Ayam, ça va? Joyeux Noël, ma soeur. Merci, joyeux Noël à toi, Simon. Ça va, toi? Ça va, super. On se retrouve pour aller chez Hélène, là, ouais. Ben là, ouais. Eh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là, avec ton mec? Quelques mois, pourquoi? T'aurais pu me présenter. Ouais, je sais, mais... Il appréhende un petit peu, quoi, c'est normal. Je comprends. Ça va, toi? Ça va, aujourd'hui c'est le 25 décembre. Eh oui, c'est trop bien. Ah oui, c'est vraiment génial. C'était bien quand même hier, hein. On s'est bien éclaté. Hein. C'est vrai qu'on s'est bien amusé, j'avoue, c'est... Je suis d'accord. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Ben ouais, c'est dommage qu'il manquait Max, Inger, Nicolas... Ben ouais, Marie... Ben tout le monde, quoi. Ouais, c'est dommage. Mais ils avaient sûrement autre affaire. Sûrement. Bon, on va chez Hélène. Allez. Ah, c'était bien quand même hier. On s'est bien amusé. Et c'est vrai que j'aurais pas été contre une petite baise. J'aurais dû inviter Mathias et
Pasteur, mais j'ai pas osé parce que c'était pas chez moi. Mais c'était bien quand même, j'avoue. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais voir avec Bastien et Mathias. Donc, c'est cool et ça va, c'était vraiment bien. Et... Je serais pas contre un petit coup à trois entre moi, Bastien et Mathias. Ils sont d'accord, bien sûr. Ah non, je plaisante, mais en fait, si je serais d'accord, c'est pas des conneries. Vraiment pas. Bon, je vais y aller. Ah, je suis trop contente, c'est Noël, c'est Noël. Moi aussi, je suis contente, ma famille. Moi aussi, je crois qu'on est tous contents là. C'est le bonheur absolu pour tout le monde, je crois. Là, c'est. Et oui, et moi avec ma chérie. Et moi avec mon autre chérie. Et ben. J'attends pour m'embrasser. Rien. J'attendais juste qu'il se pousse. Pardon. Je plaisante. Bon, on doit aller chez Hélène. Eh ben, on doit aller chez Hélène. Alors, allons-y. Eh ben, ouais. On va y aller. Et... On verra bien ce qui va se passer. Eh, hey, il y aura peut-être Nicolas. J'espère qu'il y aura Nicolas. Hein? Pourquoi est-ce que tu me parles de Nicolas? Non, juste comme ça. C'est un ami, c'est tout. Ouais, fais gaffe. Oh, ça va, toi, tu peux parler, tiens. Comment ça, je peux parler? Tu peux parler, toi, hein? Avec Léna? Bon, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Je retire ce que j'ai dit, excuse-moi. Mais vous arrêtez jamais, vous. Bon, et toi alors, Nicolas, t'étais où? T'étais pas là hier? Eh ben non, moi, j'étais pas là, tu vois. Et toi, Max, non plus, t'étais pas là. Ah, moi, non, j'étais chez des potes, enfin... Impossible, parce que Simon et Ayem, ils étaient là. Et Fanny, et Christian aussi. Mais qui t'a parlé de Simon et Ayem? Eh, j'en ai d'autres deux potes, hein. Remarque, il a pas tort. Ben oui, c'est bien d'avoir beaucoup de potes, mon Max. C'est vrai que c'est très bien. Très, très bien. En fait, maman, qu'est-ce que tu faisais avec le fusil de Nicolas l'autre jour? Quoi? Mon fusil? Oh non, rien, je l'avais fait tomber. Et puis du coup, je le ramassais. Enfin, voilà quoi. Bah, tu sais, si tu veux t'en servir, je t'autorise. Hein, elle s'est pas gênée pour le faire. Pardon? C'est toi? De quoi? C'est moi. Qui a tiré sur le bébé, dit à elle. Quoi, mais pas du tout, t'es malade? Mais non, Adrien. Livia ferait jamais ça. Bah, arrête, c'est pas son genre, Adrien. Écoute, José. Je sais, mais là. Mais c'est pas du tout son genre, enfin. Je sais, mais peut-être que là, elle l'a fait. Pourquoi alors elle avait mon fusil? Hein. Bah après, je l'autorise, mais si c'est pour tuer des gens, non, quoi. Il me sert, quoi, pour sauver ou enfin, voilà, quoi. D'ailleurs, ça vous dérange si je le récupère? Ah non, pas du tout, tu peux... Vas-y, Nicolas, hein. D'accord, merci, bah, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce que tu fous de ça avec le fusil à Nicolas, alors? Rien, je te promets. Je crois que là, elle a pas de chose à faire. Si tu veux, Sandro, on ira tout à l'heure. Mais pourquoi pas maintenant? Parce que pas maintenant, j'ai du boulot. Pff, bah, je m'en fous, j'y vais tout seul. Ah non, non, non. Bon, d'accord, on va y aller. Ok? Ben voilà, merci. Mais on ira quand j'aurai fini mon dossier. Ça va?
Combien de temps? Une demi-heure. Ça va bon? Ouais, ça passe. De toute façon, même si ça passe pas, t'as pas le choix. C'est ça, j'ai pas le choix. On ira. D'accord, c'est promis. Merci. Parce que moi, je veux absolument éclaircir la vérité sur tout ça. Moi aussi, je veux. Moi aussi. Moi aussi. Et tu sais, moi, j'ai jamais cru ça, Julien, et je ne croirai jamais. Sandro, c'est pas possible. Je suis choqué, je suis dans Sandro. Moi aussi, je suis choqué. Il dit bien, c'est une pute, c'est une salope. Elle ferait pas mal de baiser un autre mec qu'Adrien. Connasse. Bon, calme-toi, Sandro. Je prévenirai Hélène qu'on va passer, d'accord. Et on va y aller. Ok? Ça marche. Alors, on va y aller. Ouais. Je vais appeler Hélène, moi, d'accord? À tout à l'heure. Si je te laisse, je veux bien, s'il te plaît. Ok. Ça marche. Je te laisse. Ouh, enfin, me débarrasser, mais putain, mais. C'est bon, j'ai du travail, moi aussi. Mec, c'est Noël, mais toi. Bref. Hélène, il faut que je prévienne Hélène, moi. Comment je vais faire pour prévenir Hélène? Eh ben, je vais lui téléphoner. Alors, Hélène. Ah, voilà, Hélène. Elle est là, Hélène. Où Hélène? Oui, Hélène, c'est Julien, salut. Ça va et toi? Écoute, excuse-moi de te déranger, ça te dérange, on va passer avec Sandro, ça te dérange pas? Ok, bon bah on va passer d'ici une demi-heure à peu près, dans une heure on sera là, ok? Ouais, ok, bah je voulais te prévenir pour pas que tu sois surprise de nous voir, quoi. Ça marche? Ouais, ça marche pas, souci. Allez, à toutes, bisous. Ouais. Je pourrais bien une bouteille d'alcool, moi. Et puis pas la petite, hein. Je vais aller voir ce que j'ai dans mon frigo. Ah, voilà. Et puis les petites morales des autres, j'en ai strictement rien à foutre, moi. Puis en plus, c'est Noël. Si on ne peut pas boire d'alcool à Noël, on n'en boit jamais à ce moment-là. Parce que c'est. À un moment donné, moi, il faut voir les choses comme elles sont, quoi. Parce que si nous, on ne boit pas d'alcool à Noël, à ce moment-là, on n'en boit jamais. Hein. Noël, quoi, sérieux, c'est bon. Je vais aller voir Aya, elle voulait me voir. Puis mon père aussi, génial. Bon, ben il va arriver Alex. Ben oui, hein. Hey, coucou, ben, quand on parle du loup. Salut, vous. Hey, joyeux Noël, toi. Ça va, et toi? Ben tiens, non. Ça va, Alex. Très bien, et vous? Vous avez passé un bon réveillon? Ben oui, on était tous les deux, on a fait l'amour toute la nuit. Sérieux? Ah ouais, c'était trop bien, j'en pouvais plus. Il m'a épuisé ce con. Ah, je connais Mathias comme ça. En revanche, moi, je serais pas contre un plan à trois. Tu vois? Un plan à trois. Mais entre qui? Entre toi, moi et Bastien. D'accord. T'es sérieux? Et pourquoi je le serais pas? Ben, je sais pas. Un plan à trois, carrément. Ben écoute, ouais. Pourquoi pas, hein, je sais pas.
Eh ben, c'est une très bonne idée. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Bastien? Là, je suis un peu sur le cul, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, famille, ça va? Ben, ça va, et toi, ça me fait plaisir de te voir. Ça faisait un moment, on s'est pas vu depuis quand? Hein? Ben, attends, depuis le mariage de Bénédicte et de José, je crois. Oh! Ça fait depuis cet été, depuis juin? Putain, c'est vrai. On en est à la moitié d'un an, ma chérie. Eh oui, mon amour. Ça fait depuis juin qu'on s'était pas vu. Eh ben, ça faisait un petit moment, hein. C'est-à-dire qu'au mois de juin, je me mettais en couple avec Christian. C'est vrai, mais d'ailleurs, famille, pourquoi t'es partie? Je suis partie parce que j'ai embrassé une fava et que j'arrivais pas à assumer. Ah, enfin, c'est la raison pourquoi t'es partie. Oh, bah, famille, pourquoi t'as fait ça? Enfin, c'est pas ton genre. Je sais, Hélène, mais bon. On va dire que j'avais mes raisons. Eh oui. Faut pas se fier aux apparences. Non, c'est pour ça que je me fie pas du tout aux apparences. Ah, toi non plus. Non? Ben, moi non plus, ça tombe bien. L'apparence ne vaut rien de toute façon. On est beau, on est beau, on est belle, on est belle, on est moche, on est moche, on est. Ou, enfin, voilà, quoi. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi, mon amour. En tout cas, joyeux Noël à tous, hein. Bah, merci, hein. Bon, ça va, Adrien? Ouais, Adrien, comment tu vas depuis hier soir? Ça va, écoute. Je m'en remets tout doucement. Et je m'en remets. Ben ouais, ben courage, merci. Ah, Sandro, on va y aller? Ah, t'es décidé enfin? Ben oui, je suis décidé. Je t'avais dit, je finissais ce que j'avais à faire avant. Ouais. T'as appelé Hélène au moins? Ben ouais. Ben oui, je l'ai appelé. Tu crois qu'elle est d'accord? Ben évidemment qu'elle est d'accord, pourquoi elle serait pas d'accord? C'est ça. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de foutre qu'il vient en tôle. On va lui parler. On va lui expliquer. Et tout ira bien. Ouais. C'est ça, tout ira bien. Ah, attends, excuse-moi. Allô? Quoi? Sérieusement, là? D'accord. Oh putain. Ok, bon, on arrive. Bon, finalement, on ira chez Hélène demain. Urgence de dernière minute. Quoi? Viens avec moi. Quoi? Comment ça, urgence? Attends, comment ça, une urgence de dernière minute? Tu peux m'expliquer, là, Julien? Ouais, je vais t'expliquer. Écoute, apparemment, je sais pas. Il y a eu un problème rue de la gare, enfin, à l'aéroport d'Orly, rue du, dans le 7e arrondissement, Faucougnal. Bah, attends, mais comment ça, Faucougnal? C'est Noël, il n'y a pas de problème à Noël. Bah, la preuve que si. Puis regarde avec Livia, c'est un problème, ça, non? Oui, bon, enfin, Livia, c'est pas pareil, c'est une grosse pute. Arrête, Sandro, de l'insulter, arrête, elle t'a rien fait. Elle m'a rien fait à moi, mais je supporte pas qu'on s'en prenne au bébé. C'est tout. Bon, avance-toi, connard. Putain. Et sinon, on ira quand chez Hélène? On va y aller demain. Ouais, on ira demain. D'accord, demain. Mais attends, alors du coup, on fait comment, quoi? Comment ça, on fait quoi? On va où, là? Je te l'ai dit, à Orly. Oh, putain. Eh ben alors, allons-y. En tout cas, moi, j'espère que c'est pas trop grave. Hein. Non, t'as raison, moi non plus, j'espère. Mais bon, on va aller voir. Ouais, vas-y, fonce. Ouais, je vais foncer, ouais. Bah, avance-toi devant, putain. Sandro, calme-toi, s'il te plaît.
T'inquiète pas, on est presque arrivé. Cool. Non mais Félix, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris de boire de l'alcool? Mais je sais pas, y'a. C'est Noël et j'ai soif. T'as soif? Tu peux boire de l'eau. Même Fanny, t'as fait la réflexion, même tout le monde. Oui, oh ça va, toi t'es pas bien placé pour juger. Hein. Moi, pas bien placé pour juger, c'est une blague là. Non. C'est pas une blague. D'accord. Mais j'espère vaut mieux pour toi que ce soit pas une blague, Félix. Ça. Ouais, c'est ça, c'est pas une blague. Mais je vais pas boire de l'eau, enfin. C'est très bon pour toi. Mais voilà, maintenant, j'aime l'alcool. Voilà, d'ailleurs, on va me chercher une bouteille de shampoing pistolet. C'est pas l'alcool. Je sais, mais c'est bon. C'est bon, shampoing. C'est très bon. Ben non, t'en auras pas. Putain. Arrête, arrête, tu vas me rendre nerveux. C'est Noël, Félix. Voilà, en plus, c'est Noël. C'est bon, j'ai compris. T'as de la chance que c'est Noël, parce que sinon, ça aurait été non, direct. Oh, elle me fait chier, celle-là. Casse les couilles. Oh là. Tiens, merci. T'as des verres que j'ai partagés, je suis pas sûr. Oh, je vais chercher un verre. Merci. Oh, ce sera pas mal de trouver le déco. Ah, oh, punaise. Je vais prendre des verres là-bas. C'est sympa votre nouvelle déco, hein, dis donc, la toile verte là. C'est vrai, tu trouves? Bah écoute, ouais, c'est très beau. Bah c'est gentil, merci. Il est pas là, papa? Non. Il est parti. Fêter Noël avec des amis. D'accord, doit être chez Hélène. Pas du tout. Ah, bah je sais pas. Ah, ça me fait plaisir de vous voir tous là. Vous êtes vraiment tous réunis, hein? Eh ben oui, tu vois. Bon, et toi alors, comment tu vas, Fanny? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On s'est vu hier soir, ouais, mais j'ai pas eu le temps trop. Désolé. Mais pas de problème. Y a pas de problème. Alors, il manque la moitié de la bande là, mais bon. Mais il manque surtout ta mère, Fanny. Ouais, je sais, mais qu'est-ce qu'elle avait à se remettre avec Théo? Je comprends toujours pas son choix. Bah, écoute. Je sais pas, Théo, je le connais pas trop. Ouais, peut-être que elle a eu le coup de foudre 2 ans après. Ça arrive toujours un coup de foudre, hein, n'est-ce pas, John, hein? Oh, ça va, toi, hein? C'est Noël, allô? C'est Noël, on s'étend, s'il vous plaît. Mais, ouais. Ouais, joyeux Noël, Adrien, allez! Ouais, bah, Adrien, il va pas très très bien, hein? Mais c'est Noël quand même. C'est Noël. Dans. C'est Noël à Paris. Le pire, c'est que c'est vraiment Noël à Paris. Grave. Ah, c'est grave. Eh oui. Ah, ça me fait vraiment trop plaisir de vous voir. Bah, moi aussi, nous aussi, nous aussi. Eh oui. Ah là là. Bon. Ah, Félix, t'as dormi là. Ah ouais, j'avais trop la flemme de rentrer à 1h du matin. C'était le 25 décembre. Ouais, grave. Mais bon. On s'est bien éclaté quand même. Mais il n'y avait pas papa. Il n'y avait pas papa. Mais il est où? D'ailleurs, papa. Je sais pas. Tu sais pas du tout. Honnêtement, que je te dise, j'en ai aucune idée.
D'accord. Désolé. C'est pas grave. Mais ça m'a fait plaisir de passer une soirée avec toi quand même. Bah ouais, mais maintenant, ouais, c'est fini. Alors tu me promets un truc, Félix. Juste un truc. Tout ce que tu veux, mais sauf ça. Je sais même pas ce que je vais te proposer. Est-ce que tu me promets de ne plus boire d'alcool? Tout ce que tu veux, mais sauf ça. J'en ai besoin. Tu comprends ça? J'en ai besoin, gars. J'en ai besoin. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais j'en ai vraiment, vraiment, mais vraiment besoin. Je te demande pardon, gars. Mais j'en ai vraiment beaucoup besoin. Bon, bah, je comprends. Mais tu me promets un verre par jour. Matin, midi, soir. Pas le matin. Midi, 4h, soir, si tu veux. Je vais essayer. Merci, Félix. Et de rien, Aya. Tu restes un peu, tu prends le petit déjeuner avec moi. Ben oui, évidemment. Christian, ah, tu sais quoi? Ce Noël-là, il était magique. Ah oui, c'est vrai, t'as trouvé. Ah oui, je crois que c'est le meilleur Noël que j'ai jamais passé. Plus avec toi. C'était mon premier Noël avec toi. Et heureusement que t'es revenu avant Noël, hein. C'est vrai, j'aurais pu me parvenir. Ça aurait été être hypocrite, malhonnête. Être une pute, être tout ce que tu aurais voulu. Je te demande pardon, Christian. Mais ça va, on m'a dit qu'on n'en parlait plus, on arrête d'en parler? Comme tu veux, mais sache, Christian, que je regrette tout ce que j'ai fait avec Eric Favard. Je crois que ça, je le sais. C'est toi que j'aime, Christian, et pas lui, c'est toi que j'aime. Toi que j'ai choisi, Christian. Vraiment. Oui, et ça, je peux t'assurer que j'en suis certaine. Je t'aime, Christian. Oh, mon amour. Oui. Oh, oui. Oh. Quoi? Ce plan A3 était une excellente idée. Sérieux. Ah oui, je crois. Ah bah, je suis content de l'entendre alors. Et toi, t'en penses quoi, mon Bastien? Très bien. Ouais, sauf que moi, je suis sur une grille. Ah bah, j'avais dit ça pour plaisanter, mais vous avez accepté alors. Je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu jusqu'au bout et le faire. Et alors, c'était comment? C'était génial, c'est vrai. Oui. Ben c'est cool alors. Ah, je t'aime. Vous m'aimez, ben moi aussi. Oui, elle est malade ce mec. Hein. On recommence? On l'a fait toute la nuit, on n'a pratiquement pas dormi, on a dû dormir 2 heures. M'en fous. Bah, c'est sympa d'être passé nous revoir aujourd'hui, Nicolas. Bah, je savais pas quoi faire, j'étais tout seul, et puis. Mais Jimmy n'est pas là? Non, Jimmy n'est pas là. Bah, il est où? Je sais pas, il est parti ce matin, il m'a dit qu'il rentrerait ce soir. Donc, mon avis, il a sûrement trouvé une meuf, hein. Bah ouais. Il y a Julien qui doit passer, il devait passer hier, mais du coup, ils ont eu un entretemps avec Sandro. C'est vrai? Ouais. Ah bah tiens, oui, entrez! Et surtout, chut, doucement. Oui, promis. Merci. Ah, coucou vous deux. Salut! Ça va, vous voulez un café, quelque chose? C'est gentil, mais c'est à Livia qu'on est venu parler. À Livia? Bah, moi? Mais pourquoi?
Tu peux venir avec nous, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a eu les résultats du test ADN qu'on a fait prélever sur le ventre de Yael. Et pas la peine de mentir. On sait que c'est toi qui as tué le bébé Yael. À vous. Bon d'accord, mais oui, c'est moi, mais enfin, mais comprenez que c'est délicat, enfin. Il a mis enceinte une autre meuf, enfin. Là, si je te comprends, c'est difficile. Mais enfin, mais tout. N'importe quelle fille aurait pas supporté ça, enfin. Je suis d'accord avec toi. Attends, pardon, t'es d'accord avec cette salope? C'est moi la salope? Au point où j'en suis, ferme ta gueule parce que je suis à deux doigts de te mettre en garde à vue, espèce de pute. Pardon? Eh, c'est pas moi la pute, c'est Yael. C'est Yael qui a baisé mon mec. C'est rien le salopard qui l'a mis ensemble, tu vois. Calme-toi, Olivia. Bon, ça va, j'ai avoué, c'est bon? Ouais. T'as avoué. Mais au moins, ça suffit pas. On reviendra et moi, crois-moi que je vais être sur ton dos jusqu'à la fin des temps. Crois-moi. Eh ben, sois sur mon dos, j'en ai rien à foutre, Sandro. C'est pas un gamin de 20 ans qui va me commander, j'en ai 39, sale con, va. Il fait son travail. Sandro, calme-toi, je suis désolé, Lydia. Vous êtes vraiment tous débiles. Oh, dis-moi que je rêve. C'était sympa ces 3 jours passés ensemble, là, non? Bah, c'est vrai que c'était sympa. Ouais, enfin, moi j'en ai passé que 2, mais c'était sympa, c'est vrai. Eh ben oui, attends. J'en reviens toujours pas de. Ouais. En tout cas, moi j'en reviens toujours pas de ce que ma mère a fait à Yael. Attends, mais on n'est pas certain que c'est elle, si? Ben, elle avait le fusil Nicolas dans la main, elle était prête à tuer quelqu'un. Franchement, à moins que ce soit un ex à Yael, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Ouais, je pense aussi. Mais pas Livia, pas ta mère, Mac, je suis choqué. Ben, je t'avouerai que moi aussi. Ouais, moi aussi, vraiment. Enfin, mais pas Livia, je suis même plus que choqué, là, en fait. Ben ça. Après. Ouais, c'est. Mais pas les. Je reviens pas. Franchement, je reviens toujours pas. Mais grave, mais moi non plus, ça peut pas être Livia, pas du tout. Et ben pourtant, c'est Livia. C'est Livia. Et ben ouais. Choqué. I am choqué, je suis choqué. Bon, papa, il va sûrement rentrer bientôt. Ben ouais, je pense, hein, j'espère. Mais oui, il va sûrement rentrer dans quelques heures, même voire quelques minutes. Tu penses? Je sais pas, mais sûrement. Sûrement, sûrement. Ben ouais, j'espère. Mais oui, t'inquiète pas. Ah là là. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te voir, Félix. Ça me fait plaisir que tu aies dormi là. Ça me fait plaisir que tu m'écoutes, enfin. Oh, ça va, mais je t'écoute presque tout le temps. Pardon? D'où tout le temps? D'où tu m'écoutes presque tout le temps? Tu m'écoutes jamais, Félix, enfin. Tu m'écoutes pas tout le temps, tu m'écoutes jamais. Très drôle, hein. Ça fait combien de fois que je te dis d'arrêter de boire de l'alcool? Bon, d'accord, c'est vrai, ça fait beaucoup de fois, mais... Oh, et puis zut. Voilà, mais rien. Je sais, mais j'aime ça et c'est bon l'alcool, Aya. Ok, c'est bon, mais... Non. Quoi? C'est pas pour toi. Comment ça, tout le monde en boit de l'alcool? Oui, enfin, moi j'ai 17 ans, j'en bois aussi. Mais régulièrement, Félix, enfin, tu vas pas devenir alcoolique quand même, enfin, pas toi quand même, pas toi, Félix, enfin. Ouais, d'accord, t'as raison, pas moi. Mais c'est bon, la morale est finie, là. La morale est finie, ouais. On peut parler d'autre chose, là? Si tu veux... Merci Aya. Bon,
Et comment il va, papa? Il a des nouvelles de maman? Franchement, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Il me parle presque pas, je sais pas. Ça se trouve, il est en couple. Oh, ce serait trop bien. J'ai pas envie d'avoir une belle-mère, moi, tu vois. Ouais, c'est chiant, les belles-mères, quoi. Mais bon. C'était bien hier, hein. C'est vrai que c'était très bien. En tout cas, Livia a avoué. C'est déjà ça. Ouais. Bah, si ce serait que de moi, crois-moi que je l'aurais déjà mise en prison depuis longtemps, hein. Ah! Mais tu peux pas faire attention, non? Je t'emmerde, connard! Pardon. Oh Julien, c'est toi? Ah, mais dis, oh Julien, excuse-moi, je suis désolée, pardon, je savais vraiment pas, je pensais pas que c'était toi. Ah, mais dis, allez hop, en garde à vue. Oh non! Allez, toi, viens, tu fermes ta gueule, je t'emmène dans ton lit. Non, lâche-le, Sandro, lâche-le. Viens, lâche-le. Non, pardon, Julien, excuse-moi, je pensais vraiment pas que c'était toi, tu me connais, Julien, non? Sandro, calme-toi, arrête, Sandro. Non, mais j'en tôle. Non, Mehdi, non! Sandro, s'il te plaît, Sandro! Non! Mehdi, non! Julien, je suis désolé, excuse-moi. Excuse-moi, je savais pas que c'était toi, je m'en veux tellement. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Non, Mehdi, va pas en tôle. Ta gueule, toi! Je veux pas que tu sois. T'es pas ami avec Julien, t'es pas ami avec moi. Moi, je t'aime pas, je veux pas que tu sois en couple avec cette salope. Pardon, c'est moi la salope! Sandro, s'il te plaît! Allez hop, en tôle. Non, non, mais pardon, Julien. Hélène, non, mais Hélène, ils vont le mettre en tôle. Non, mais attends, mais calme-toi, on va trouver une solution, non. Mais enfin, mais non, mais enfin, mais tu connais Julien, elle a toujours été sympa. Mais non, mais c'est son pote, là, Sandro, qui a décidé. Il l'aime pas, il a dit qu'il voulait pas que je sois en couple avec moi. Sandro, il m'a même traité de salope, Hélène. Quoi? Yael, ça va? Adrien, c'est Sylvia qui m'a tiré dessus. Oh, Yael, je crois que je lui pardonnerai jamais. Tu m'entends? C'est vraiment Olivia qui m'a tiré dessus, je lui pardonnerai jamais. Justement, je crois que c'était là. Quoi? C'est maman qui a tiré sur Yael? Ça te dirait qu'on a un bébé, toi et moi? Un bébé? Tu veux un bébé? Oui. Tu vois, moi je vais te foutre en tôle et ta femme et tes gosses, ils vont t'attendre longtemps, tu vois? Espèce de fils de pute, va. Mais attends, mais Sandro, je connais Mehdi, c'est pas son genre d'être comme ça. Je voulais pas. Oui, je te promets, Sandro, je voulais pas. Ne me tutoie pas, connard! Comment je vais essayer de gérer ça, moi? Oh.